D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, on va faire le tournoi de la nouvelle saison. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 3 victoires, 3 défaites. Mais on va essayer, bien sûr, de faire un maximum de victoires. Tout simplement. D'ailleurs, avant la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à participer pour la carte iTunes ou Play Store de 10€. Donc, il suffit de liker la vidéo, de partager la vidéo et de commenter la vidéo. Je participe. Donc, partagez sur tous vos réseaux sociaux. Et aussi, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient des gemmes gratuitement sur Clash Royale ou Brawl Stars, ou même Clash of Clans, vous avez un lien en description que je vous ai mis. Donc, vous avez juste à regarder la vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps, mais qui est vraiment très très bien pour avoir des gemmes gratuitement sur Clash Royale. Donc, bref, donc là, j'ai la guerre de clan dans 30 minutes. Mais sinon, on va ouvrir quelques coffres déjà, puis après on va attaquer. Donc là, petit coffre, le 7ème, le 8ème, c'est parti. 33 gemmes, 51 mortiers là, un bébé dragon, une épique, et 12, 3 mousquetaires. On ouvre le dernier, allez, c'est parti, le 9ème. 2 gemmes, 5 extracteurs, 7, 3 mousquetaires, 62 et un golem, ok. Un petit golem, donc là les prochains, il faut attendre encore pour les ouvrir. On va ouvrir un petit coffre, comme ça, si je gagne, j'aurai un coffre. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Allez, il faut que je monte à 5225 pour avoir un coffre magique. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Et du coup, on va faire le tournoi. Ah, il y a un tournoi tirage boule de feu. Mais là, on va faire le tournoi. C'est parti. Donc là, j'ai fait déjà 3 victoires. J'ai récupéré pas mal d'or. Et aussi un petit point de quête. Enfin, un petit point d'échange pour les communes. Donc c'est toujours ça. Donc là, on est contre un niveau 8. Il y a pas mal de niveau 8. Donc ça, c'est cool. C'est plus facile pour moi, évidemment. Donc là je me concentre par contre, parce que là si je perds, enfin en gros il n'y a que 5 défaites possibles, pas plus, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, 5 défaites. Bon là j'attends un petit peu parce que on va mettre la princesse à gauche, ouais, princesse à gauche. Oh, canon. Oh là ça joue le PK, ça joue le PK. J'ai rien pour défendre contre le PK. Oh là là, la tour va tomber là. Ouais, trop tard. Non, tant pis, je laisse ma tour tomber. Mais j'ai rien du tout. J'ai rien du tout là. Il y a le ballon à droite. J'ai rien du tout pour le défendre. Genre ballon niveau 7 quoi. Bon, je crois que est niveau 8 du coup, parce que je suis niveau 9. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc là, je prépare les flèches à gauche, mais bon, ouais, ça sert à rien. Bon, bah écoutez, on va économiser l'élixir et puis on va faire un genre ballon à droite, je pense. Enfin, on va d'abord défendre parce que là, vu comment c'est parti, on va d'abord bien défendre. Parce que c'est assez mal parti. Voilà, bon, pour l'instant ça va. Là, je prépare le géant. Et on va mettre le ballon juste après. Enfin, espérons, ça dépend ce qu'il fait. Ok. Je vais mettre les gargouilles là. Les gargouilles ici, j'espère qu'il n'a pas de flèche. Je pense que c'est bon. Écoutez, ça a l'air pas mal. Oui, on va voir la tour peut-être. Donc là, à gauche, je mets les barbares et je mets le ballon. On a presque la tour. On n'a pas la tour, mais on l'a presque. Donc bon, normalement, pas de soucis. J'espère. Donc voilà, on a les deux tours. Donc voilà, on est bien revenu parce que c'est vrai que là, il avait bien géré, il avait bien défendu. Mais c'est bon, on est revenu sans souci, donc tant mieux. Mince, je voulais mettre le canon un petit peu plus haut pour que les barbares soient attirés. Au final, ils n'ont pas été attirés, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Allez sur le ballon, allez sur le ballon. Parce que là, le ballon, si je défendais pas, là, je perdais, que je pense... Je pense qu'il y avait quasiment 3-0. Donc là, on fait 3-0. Il reste 10 secondes. J'espère qu'on va faire 3-0. Bah, c'est bon. C'était quand même assez serré au début, mais je me suis dit, bon, on va économiser l'élixir, on va faire un genre ballon, parce que c'est vrai qu'au début, c'était pas top. Mais au final, pas mal. Pas mal du tout. Donc là, une victoire, je gagne quoi? Un coffre... un petit coffre? Non, je gagne rien. Je gagne... prochaine victoire, je gagne... une carte épique. Enfin, un jeton. Après, des cartes épiques, un peu d'or, etc., etc. Bref, c'est parti. Donc là, 4 victoires pour l'instant.
On va essayer de, bien sûr d'en faire 5 ou 6, on va voir. On va voir, bien sûr, si j'ai un coffre à vous... à ouvrir. J'ai un coffre à ouvrir, donc ça, on va le faire en vidéo. C'est un petit coffre en or, me semble-t-il. Donc c'est pas non plus extraordinaire, mais bon. Donc là, j'ai défendu avec le géant. J'aurais plutôt voulu mettre le canon, mais j'ai mis le géant à la place, sans faire exprès, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, du coup... on va économiser l'XR tranquillement. Et on va mettre, je pense, le canon ici, là, dans quelques instants. En plus, il y a un abonné qui regarde. Enfin, un abonné. Quelqu'un du clan qui regarde. Donc là, le canon... Enfin, c'est peut-être un abonné, je sais pas. Donc là, le canon... Et du coup, on attend. On attend. On va mettre les gobelins à lance ici. Ok. Alors là, faut que je fasse attention, là. Nickel. Donc déjà, il a utilisé les flèches. Donc je peux tenter, peut-être, les gargouilles. Ou sinon, il y a le ballon. Au choix. Nickel. Nickel pour l'instant. J'aimerais bien mettre les gargouilles ou mettre le... Ouais, bah, c'est pas grave, on va le mettre après. On va mettre les gargouilles après. Donc pour l'instant, il n'a pas trop fait de dégâts. Je vais faire un petit peu de dégâts à gauche là avec le... Enfin, un tout petit peu. J'ai fait à peine... j'ai attaqué qu'une fois. Enfin, j'ai touché qu'une fois la tour. Je remets le canon. Mais la princesse, enfin mais les flèches pardon. J'ai fait qu'un petit peu de... enfin qu'un coup avec le géant là sur la tour, ce qui est dommage. Il a bien positionné sa tête, sa... oui sa tête là c'est ça. Donc là je sais qu'il a les flèches, donc dès que je peux, dès qu'il utilise les flèches, j'essaie de mettre les gargouilles. Voilà, nickel. Après il y a la princesse je crois, donc il va falloir que je fasse attention. Allez, le géant accélère. Yes. Et voilà, nickel. Oh, il y a une petite Tesla en plus. Princesse qui est là, qui est à côté. Et là, on met... Bah, écoute, on va faire comme ça. Donc voilà. On va voir la tour comme ça. Les flèches sur la princesse et sur la tour. Du coup, ben, on n'a plus qu'à attendre, hein, parce que là, j'ai pas mal d'élixir, donc je pense que je vais faire un 3-0 avec le géant ballon. Oh là, la tour n'est même pas tombée. Donc voilà, là on est sur une 5e victoire, si je dis pas de bêtises. Donc on va essayer de chercher une petite 6e victoire, pourquoi pas une 7e si on a le temps, mais je pense pas qu'on ait le temps. Mais bon, 6 victoires, c'est déjà pas mal. Donc là, 5e victoire. Voilà, et on récupère un petit point. Il y a quelqu'un du clan qui est arrivé, qui a fait quand même 6 victoires. Manilou, là, 6 victoires avec une seule défaite, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et pour l'instant, dans les meilleurs, pour l'instant, ils ont fait 23 victoires, les meilleurs, là, les 50 premiers. Donc on a encore un petit peu de temps, mais bon. Écoutez, c'est pas mal déjà. 5 victoires. On va essayer de faire 6, allez, c'est parti. C'est parti. Niveau 9. Alors, je mets les barbares, ouais, ici, je mets les barbares ici, là, en fond de map, ok, nickel, les mousquetaires. Il y a les mousquetaires, on va mettre la horde ici. Deux petits archers qui vont rester en vie. Donc ça s'embête un petit peu, mais bon. Oh. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, la tour qui va tomber là. Aïe aïe aïe, il a bien joué. Si là je perds, j'ai quand même 4 défaites, c'est pas mal quand même. 4 défaites. Donc là, il va falloir que je me concentre pour ouais, faire un petit géant ballon. Enfin, faut que j'économise l'élixir, quoi, en fait. Faut que j'économise l'élixir, donc là, on met la princesse pour l'instant. Voilà. Là, je pense qu'il va attaquer directement la tour du roi. Il va directement attaquer la tour du roi. Ok, j'ai fait aucun dégât. Impressionnant.
la petit bras pour défendre. Ok, bien joué avec la bûche. C'est vrai qu'il a des bonnes troupes là. Il a des bonnes troupes pour contrer mon deck. Il a une bûche pour contrer les petites troupes que je mets. Gobelins, princesses, tout ça. Il a ce qu'il faut pour défendre, donc c'est vrai que... Donc là, petite Valkyrie. Petite Valkyrie. On met le ballon. Mes flèches ne servent pas à grand chose. Aïe aïe aïe. Donc là j'essaie de défendre, j'essaie de faire un maximum, il reste 15 secondes là, c'est chaud. C'est chaud. Je tente déjà en mal à gauche, en 9 secondes, ça va être chaud. Non, c'est pas possible. Dommage, là ça fait quand même du coup 4 défaites. Et la prochaine, du coup, prochaine défaite, ça. Enfin, je perds le défi quoi, je perds le défi de saison. Donc voilà, 1-0, c'est vrai que j'ai pas très bien joué au début, donc là 4 défaites. Écoutez, on va regarder son combat là, il est en train de jouer, on va regarder son combat. Pour une 7ème victoire peut-être, on va voir. En tout cas, il a perdu à l'instant, enfin tout à l'heure. Donc là, il reste 1 minute. Pour l'instant, il est plutôt bien parti à droite. Et il a utilisé tout son deck. Enfin, il a déjà joué toutes ses cartes quoi. Il a déjà joué toutes ses cartes. Contrairement à l'adversaire. Donc au niveau de l'élixir, il a perdu beaucoup plus d'élixir que l'autre. Donc ça, c'est dommage. Il joue pas là par exemple. Là il joue pas, c'est vrai que c'est dommage. Il devrait jouer plus rapidement. Parce que là il perd beaucoup d'élixir comme vous voyez. Il perd beaucoup d'élixir. Voilà, la droite va être chaud. Pour l'instant écoutez ça pas, il défend bien. Mais à droite c'est vrai que. Ok, boule de feu c'est pas mal. Il y a un deuxième zappi à gauche. Deuxième zappi à gauche. Peut-être écouter qu'il va réussir. Pour l'instant il est pas mal. Enfin il est assez bien parti. Le mineur fait pas mal de dégâts, mais c'est vrai que. Ok, donc là à gauche c'est bien joué. Oh. Mis 200 points de vie à droite. Boule de feu peut-être à droite, non, même pas de boule de feu. Ok. Boule de feu peut-être là, non je sais pas. Ok, pourquoi pas. Oula, à gauche c'est chaud là. À gauche c'est chaud, à droite un petit peu de dégâts peut-être, boule de feu, non je sais pas. Hop, ouais pas mal. Ok, la Valkyrie a bien défendu en tout cas. Je sais pas pourquoi il joue pas, je sais pas pourquoi il regarde à chaque fois 10 élixirs et qu'il joue pas directement. Hop, à droite, il faudrait qu'il défende à droite là. Ok, nickel. C'est chaud sa game là. C'est chaud. Qu'est-ce que vous dites? Victoire pour qui? Je vais le soutenir d'ailleurs parce que je le regarde, mais à gauche c'est chaud, il reste 1200 points de vie, à droite 1228, il a fait un petit peu de dégâts avec le chevaucheur, il reste 1 minute, peut-être égalité. Hein. Je sais pas si c'est possible l'égalité dans ce genre de défi. Je sais pas si c'est possible. Oh, le mineur à droite qui est pas mal. Le mineur à droite qui est pas mal du tout. Il part tout seul. Oh. Par contre, le mineur est toujours en vie, donc ça c'est pas mal du tout. Et c'est plutôt bien parti à droite. À gauche. À gauche par contre. Ouais, à gauche parfait. Là je pense. Là je pense, ouais, mineur, voilà, boule de feu, et voilà, généralement c'est bientôt fini. Il devrait réussir, je pense. Voilà, boule de feu, puis une autre boule de feu, et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Pas mal, là. Il joue bien, là, je pense qu'il va faire boule de feu, hein, boule de feu plus boule de neige, et puis ça va faire plus ou moins 262 dégâts. Mais c'est vrai que c'est assez serré cette game. C'est assez serré. Donc là,
Je pense que les vont lancer boule de feu, je pense. Quoique, je sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Un mineur boule de feu. Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Voilà, là on est sûr au moins. Donc voilà, voilà. Vraiment très belle game. C'est vrai que c'était assez serré, mais il a réussi. Il restait 31 secondes, sinon il est perdu. Donc là, ben voilà, pour cette vidéo, on ouvre juste le petit coffre. Voilà. Rien de spécial pour le petit coffre en or. Voilà. Des points de quête. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Petit coffre gratuit, tiens. On en profite de PK et de gemmes. Donc voilà. Pour cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao, ciao.